Comment ça se passe? À ton 28-051, tu envoies Edic. 28-051. Voilà, Edic. Et puis tu mets Edic. Les matières sont venues, je vais choisir. Anglais ou physique et EDIC, math. Donc je choisis SVT. On me demande quelle leçon je suis improvisée. Donc le programme te pose une question. Qu'est-ce que tu décides? Je réponds par A, B ou C. Quand j'apporte la réponse, si j'ai toujours me dit bravo, mais si je n'ai pas toujours me dit dommage. À chaque année, bon, nous les parents, la DIC donne des kits scolaires à nos enfants. Cette année, après les kits scolaires, on nous a parlé de l'avènement des portables qui vont servir, permettre aux enfants d'étudier. Quand les enfants ont ces genre de portables, s'il y a la grève, l'enfant peut rester à la maison et puis il étudie. Ou bien au cas où il est malade, qu'il n'ait pas pu aller à l'école, il peut rester à la maison, il rentre dedans et puis il fait ses petites révisions. Durant ce temps que nous courons, bon, je dis toujours à l'enfant, prends ton portable et puis tu étudies. Aujourd'hui, avec ça, bon, l'enfant peut faire des recherches lui seul. Je vois que vraiment, c'est un truc qui est très, très, très merveilleux. C'est très bien parce que ça nous a trop plu. Vraiment, ce projet est bienvenu. Parce que ça va encore plus appuyer l'enfant dans ses études. Et puis, ça l'amuse. En s'amusant avec le téléphone, il apprend. C'est ce qui est plus important même. Parce que pour eux, c'est un jeu. Avant, ce que je peux remarquer, il est plus concentré. Parce que souvent, quand il quitte à l'école, il a tendance à aller jouer. Mais maintenant, je vois qu'avec le téléphone, je le vois souvent, le cahier. Souvent, je rentre, je fais espoir, je regarde dans la chambre. Je vois un cahier devant lui et je vois le téléphone en main. Donc, je me rassure qu'il étudie avec son enfant, je vais jeter un coup d'œil. Il dit, je peux voir le message que tu as lancé. Je vois vraiment, il étudie avec le téléphone et ça me réconforte. Certains projets viennent appuyer pour le développement et l'éducation même de notre enfant. C'est déjà quelque chose. Nous saluons vraiment ce projet. Avec le téléphone, j'apprends beaucoup mes matières. J'aime réviser le physique chimie. Avec histoire, géographie, anglais, français. Je revise avec le téléphone parce que les questions qu'on me pose dans le téléphone, je n'ai encore jamais vu ça à l'école.